Fais gaffe, c'est enregistré. Oh merde. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Paille Manga 15ème édition. Alors, il est 6h34. Alors, dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui pour cette journée pluvieuse? Je suis un peu déprimé en fait. Bah, vu le temps, ouais. C'est... Déjà par le temps, et puis étant donné que je devais faire mon tournage de mon nouveau truc là, ouais. Que je suis en train de faire, mais ça me fout la déprime totale. Bah, si t'es pas obligé de le faire, tu peux le faire pour la Japan Expo quand il fera beau. Bah, le souci c'est que j'aimerais bien que ça soit fait le plus rapidement possible, puis j'ai déjà engagé. Payé. Non, même pas. j'ai sous-douane. non, mais je devais avoir des acteurs, et puis déjà il y en a un qui est malade, donc ça me fout un peu dans la paname. C'est toi? Hein? C'est toi qui es malade? Non, je suis pas malade, moi. Je suis pas malade, mais bon, ça fait chier, et puis... Ouais, si dimanche il pleut pas ou s'il neige pas, bah, il faut que je fasse ma scène extérieure. Mm-hmm. Ou au pire, je vais improviser avec des gens que j'ai là. De préférence des femmes ou mixte? Au départ des femmes. Oui. Des femmes. Je te conseille d'aller au vestiaire femme de cosplay. Ouais. Et bonjour, est-ce que vous voulez tourner un tournage de... un tournage de podcast. De hotcast. Podcast. Ouais. Ouais, hotcast. jeu de mots. Oh, drunk. Merci. Donc du coup, bah, William, logiquement, il devait faire l'acteur, mais je sais pas s'il est en forme ou pas pour le faire. Il n'y a pas de problème. J'ai tous les accessoires dans cette valise, donc... Un god. Non, bah non. Martinet. C'est qui Martinet? C'est Pierre Martinet? Oh, c'est petit. Ouais. C'est le traiteur à traitable. Ouais, menottes. Tenue en cuir. Ah non, une perruque par contre, il faut que tu mettes. Plus Frontman. Frontman. Non, merde, tu m'as vu en Frontman? Ouais. Quand ça? Tu m'avais montré ta tenue. Ah ouais, c'est vrai. Oui, parce que j'étais en Frontman à Japan Expo Belgique. Et ça s'est bien passé? Tu t'es fait virer par les vigiles? Non, pas du tout. Ils ont même posé la photo avec moi. Sympathisé, c'est bien ça. C'est ça qui est marrant. Et puis non, j'ai bien pourri les photos des autres. Ouais. Alors c'est toi le gars qui... Non mais ça me fait penser à Maxime Muscat qui était déguisé en Flashman. Là, il était tout fluo avec le gilet fluo, tout ça. Et puis à chaque fois qu'il prenait une photo, il pourrissait l'image. Et donc ouais, c'est un peu pareil en fait. Mais sauf que moi je pourris pas l'image. Je fais genre Jump Apparition. Ouais, donc tu es le figurant quoi. T'as... Ouais, en gros. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton site, s'il te plaît? www.japanstage.site.fr si je me trompe pas. Et Facebook Facebook Maxi Dragon comme d'habitude. Ça change pas. Tes prochaines conventions? Bah justement, mes prochaines conventions, je vais ralentir un peu. Ouais. Je vais ralentir un peu parce que tu passes la deuxième? J'arrive plus à suivre les conventions, mais ouais. Bon, déjà, je vais continuer les plus gros, on va dire, bah, comme aujourd'hui et puis Japan Expo. Parce que ouais, non, j'ai plus vraiment le temps de faire d'autres conventions, quoi, sachant que je travaille. Sur mon podcast, j'ai déjà écrit 4 sketchs et puis donc du coup je me concentre plus sur mes podcasts que maintenant sur les conventions, mais ça m'empêche pas de faire encore des conventions. Alors demain, Coco Circus organise pour les 10 ans du site Coco Circus une petite convention à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Donc un message à Coco Circus pour les 10 ans du site. Alors Coco Circus, vous nous faites chier parce que vous tombez le jour de Paris Manga. Vous nous faites chier, on aurait bien voulu y être. Oui. Mais bon, j'espère que ça va être un succès. Ouais, pour les 10 ans quand même. Pour les 10 ans, ça a intérêt à être un succès. Okay. Donc j'espère que vous avez fait des invités surprises. Regardez mon dealer qui me donne des places pour jouer chez vous, mais je peux pas venir. Donc ouais, non, bah, bon anniversaire, hein. Coucou Circus. Hein. Et puis continuez à nous donner des rêves avec vos génériques de l'ancien temps, comme on dit. Avec abonnement.
Avec abonnement. Pas cher, pas cher. 10 euros. 10 euros dans l'année. Merci bien. C'est pas cher. Ciao.